Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester les produits que j'ai reçus dans le swap. Donc, si vous n'avez pas vu le déballage du swap, je vous le remets en barre d'infos. Et de là, vous avez accès au déballage du swap de Manon. Voilà, tout simplement. Donc là, je lui ai fait honneur. J'ai mis un top qu'elle m'a donné, le collier. Le joker qu'elle avait dans le swap et le petit chouchou couronne. Voilà, je voulais mettre les manchettes, mais ça n'allait pas vraiment bien avec le top. Bref. Donc, on a quand même pas mal de petites choses à tester et toutes les autres palettes, ça sera des swatches et le make-up. Donc, si tout va bien, vous aurez encore 2 semaines de vidéos non-stop suivant ma motivation. Voilà, je vous promets rien, mais il y a des grandes chances parce que j'ai très envie de tester les palettes. Voilà, donc on a à tester ce petit produit que je ne sais toujours pas trop comment utiliser de chez Danessa Merritt. Donc c'est le Baume Poudre. Apparemment, il s'utilise aussi bien en base qu'en fond de teint qu'en poudre. Donc il fait tout. En fait, un seul produit et ça fait votre teint complet. Sauf que bon, là c'est une teinte universelle, donc je pense que c'est transparent, donc je pense pas que ce soit très couvrant. On verra bien. On a la palette de teint pailleterie, donc c'est la CC Brightening CC Palette Sony Flash, qui est trop belle, qui sent extrêmement fort la rose. Et je pense que, alors je vais le swatcher tout de suite pour voir, mais je pense que celui-ci je peux l'utiliser en tant que bronzer. Bon, il est très orangé quand même. Mon testeur. Écoutez, j'ai envie de tester comme ça, voir si ça peut faire une palette de teint complète. Le petit highlighter rude, bien évidemment. Le liner rude, bien évidemment. La petite toupette. Donc, si j'ai besoin de poudrer, de toute façon, j'aurais besoin de poudrer mon anti-cerne. Le rouge à lèvres Kylie. Obligé que je teste parce que j'ai jamais testé cette marque. Les fossiles Cruella, si je suis motivée. Le liner rude et bien évidemment, la palette Danessa Merritt, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Lightwork Volume 3 The Experience Palette. Donc je me suis dit que ça ne servait à rien de faire un swatch de make-up avec celle-ci, vu qu'il n'y a que 8 teintes et vous ne pouvez pas utiliser un maximum de teintes avec, c'est juste pas possible. Donc je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de la tester dans le crash test. C'est pour ça que j'ai fait un crash test, sinon j'aurais testé les produits au fur et à mesure des swatches de make-up, mais voilà. Donc, je me rapproche un petit peu en attaque. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Donc on va commencer tout de suite avec ce truc là. Donc j'ai rien sur la face. Donc normalement, il est. Vous pouvez l'utiliser comme base, comme poudre, comme fond de teint. Enfin, normalement, il fait tout. Alors je vais prendre un pinceau dense pour l'appliquer au pinceau. C'est ce qu'il conseille. Donc je cherche le pinceau que je veux. Donc je prends celui-ci. Je pense qu'il sera pas mal. Je sais pas si en prélevant, mais oui, ça fait de la poudre, c'est un truc de fou. Donc je vais le prélever au doigt, ça sera plus mieux. C'est ce qu'ils font dans les. J'ai été voir un peu parce que ça fait le buzz sur TikTok. Apparemment, il en faut très peu, donc je passe à peine mon doigt dedans. Mais ouais, comme c'est une teinte universelle, c'est plus une base voire une poudre. Un fond de teint, quoi, parce que moi il n'a pas la teinte, voyez, il est vraiment transparent. C'est bizarre, ça fait poudrer, c'est trop bizarre. Et il unifie bien le teint quand même. Hein. Donc, eux ils disent d'utiliser justement la teinte universelle en tant que base, c'est lumineux en plus. Je sais pas si vous voyez. C'est trop bizarre ce truc. Franchement, rien que par curiosité, j'achèterais bien un teinté pour voir ce que ça donne. Mais il faut que je vois le prix parce que Danessa Merritt, c'est pas donné. Donc on le retestera comme poudre. J'ai bien fait de prendre une éponge. Je vais prendre donc mon fond de teint habituel. Pour l'instant, j'utilise le Skin Influenceur de chez Chiglam. Je vais prendre ma petite éponge. Donc,
je prélève avec le cucu de l'éponge et je pchite un coup de fixateur pour lui, comment, le fluidifier un tout petit peu. Sinon, il est très, 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 très compact. Donc, je fais ça et je reviens quand j'ai terminé. Je vais mettre mon anti-cerne aussi. Alors, les bruits de bouche que vous entendez, c'est pas moi, c'est Riley qui mange une friandise. C'est l'astuce que j'ai trouvée pour qu'elle se calme parce qu'elle était déchaînée. Donc, je vais tester la petite toupette. Ça vient de chez Chine. Il y avait deux petites toupettes en forme de cœur. C'était trop beau, mais non. Elle a l'air assez moelleuse. Hein. Donc, elle est peut-être un peu dense. Mais... ouais, je préfère quand elles sont un peu plus souples, mais c'est pas mal. Donc, je poudre mon anti-cerne. Donc, j'ai mis... fond de teint et anti-cerne sur ma paupière parce que j'ai pas besoin de base. Je vais pas poudrer par contre ma paupière parce que je vais certainement mettre un, comment ça s'appelle, un jumbo noir pour faire ressortir les fards. Alors je vais tenter avec un pinceau poudre de repoudrer avec ça. On va voir si ça fonctionne. Après ça se prélève pas super bien au pinceau vu que c'est un baume. Bon, je vais y aller en tapotant, potant pour commencer. Ou non, ça fait bouger le fond de teint. Ouh, c'est moche. Ouais, donc c'est clairement une base quoi. Ouh, c'est moche, moche, moche. Ouh, c'est moche, moche, moche. Bon, ben, j'utiliserai en base de teint. En base, elle est super agréable. Donc, je vais prendre ma poudre libre. J'essaye de terminer la DM. Du coup, je repasse à la houppette. Et je poudre le reste du teint. Mais c'est vrai que ça m'intrigue quand même, ce produit-là. J'ai regardé quelques revues. Alors, il n'y en a pas en français. Il faut les regarder en anglais. Et ça avait l'air sympa à utiliser, mais il faut vraiment une teinte, quoi. Il ne faut pas la teinte universelle comme j'ai, qui est transparente. Après, c'est sûr qu'en cadeau, ils ne pouvaient pas mettre une teinte. Bon, je suis au fond du pot, j'ai du mal à en prélever, donc il va falloir que je mélange avec mon autre poudre. Oh là, peut-être est pas mal, elle est sympa. J'utiliserai franchement avec plaisir. Bon, mes deux préférés restent Linda Albert et Essence. Mais c'est pas mal. Voilà pour le teint. Écoutez, j'ai le teint quasi classique, il n'y a que la base qui change. Donc, je blende un peu. Un petit coup de fond de teint poudre comme d'habitude. Pour smousser ma face. J'ai trouvé l'astuce, il va falloir que j'achète un stock de friandises pour mettre ici en haut. Mais des qui sont longues à manger, vous voyez. Ou des énormes. Parce que sinon, on fait bouger tout ici. Donc voilà pour ça. On reparlera de tout ça après, de toute façon. Alors, on va passer à la palette By Terry. Alors, je suis pas sûre qu'en bronzer, il aille vraiment parce qu'il est très, très, très doré. Mais bon, on teste. Voilà. Enfin, très, très, très chaud. C'est ça que je voulais dire. Alors, ça sent vraiment fort, la rose. Hein. Moi, c'est une odeur qui ne me dérange pas, mais ça sent vraiment très fort. Hein. Oh, bah, écoutez. Oh, ça va. Bien pigmenté, en tout cas. Après, vous pouvez également vous en servir en tant que blush marronné, hein, si vous aimez ça. Moi, j'aime beaucoup en automne. Et remettre juste un petit blush lumineux par-dessus. Genre le Bambi. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le Bambi. Mais franchement, ça va. Hein. Bon, ça réchauffe le teint parce que c'est très chaud, mais...
J'aime bien. Et ça sent vraiment froid. Donc, je blende un coup. J'ai jamais testé non plus les produits Thym by Terry. On va passer au blush et je vais mettre celui-ci pour commencer. On va voir s'il est assez pigmenté. Je pense. Ouais, c'est très discret ça. Je sais pas si vous voyez, mais par contre, c'est extra lumineux. Ça peut être pas mal pour l'été, pour juste mettre rosir un tout petit peu vos joues si vous aimez le naturel. Donc du coup je prends l'autre. Ah oui, c'est mieux. Donc mélanger les deux teintes pour moi, ce sera mieux. C'est très beau et il diffuse très bien, la teinte est très jolie. J'aime beaucoup. C'est lumineux, hein. Faut aimer quand c'est lumineux, moi ça me dérange pas. Alors je vais passer un pinceau un peu plus petit. Ouais, ça c'est peut-être un peu plus quand même. Attendez, je cherche, je cherche. Et je vais utiliser quand même un petit peu de celui-là, bien qu'on ait un autre à l'éditeur à tester, mais comme ça on voit directement le rendu. Il y a une touffe de poils. Je crois que c'est carrément un bout de fossile en fait. Il est encore là ou je rêve? Non, je rêve. Non? Il est là. Attendez, je l'ai vu. C'est un bout de laine. Oh bah la teinte ça va, je pensais qu'il serait un peu trop doré, mais ça va. C'est discret par rapport à ce que je mets d'habitude, c'est pour ça qu'on va remettre l'autre par-dessus, mais ça fait un beau petit teint d'été, là, bien frais, bien glowy. J'aime beaucoup. Bref, on parlera en détail de tout ça plus tard. Alors, je vais fixer mon teint et faire mes sourcils et je reviens. Donc, je viens de voir que mon fond de teint a bougé et qu'il fait un effet pâté ici au niveau de entre mes sourcils. Chose que je n'ai jamais avec le fond de teint chez Glam. Donc, ça doit être la base. Tout simplement. Donc, je suis un peu deg parce que c'était prometteur, mais voilà. Et mange comme une cochonne. Donc on va tester le petit highlighter rude. Donc c'est la Manga Collection et c'est le Flevis, un truc comme ça, je sais pas bien lire latin. Donc c'est un clairement à paillettes bleues. J'essaye déjà au pinceau voir ce que ça donne. Ici, bravo. Oh, il fait vraiment un effet glaskin. Alors, vous savez que j'adore ça. Et on va y aller aussi au doigt pour rajouter des paillettes. Pétouille, pétouille. Et là, on va en faire de la pétouille. Ouh, je glow. Ouh. J'ai glow, j'ai glow. Ben voilà, on n'a plus qu'à passer aux yeux. Donc je me rapproche encore un petit peu. Je me rapproche à fond en fait. Donc je vais préparer un pinceau pour estomper mon yumbo. Qu'est-ce que tu fais, Pépette? Alors j'essaye de trouver un assez dense. Voilà, toi tu devrais faire l'affaire. Donc je vais prendre mon jumbo Bim, c'est Bim hein, qui s'appelle je crois. Black Bim, Bim. Black Bim. De chez NYX. Et alors attendez, je vais quand même blender. Donc je mets ça sur ma paupière.
Elle a déjà fini sa friandise, mais c'est pas possible. Elle a une vraie goinfre. Oh, et elle a pété! Et je vous jure que quand elle pète, ça fouette. Hein. Allez, on va finir sa friandise, donc elle refait des conneries. Cette chaîne est complètement tarée. Alors, je vais prendre un tout petit pinceau crayon comme ça, et je prends le crayon blanc de Creator de chez Révolution, que je mets en coin interne. Voilà, elle est en bas du coup écrayonne, donc si vous entendez des bruits chez vous, c'est parce qu'il joue. Alors, on va passer du coup à ceci. Ça n'a pas cruisé mon truc. Non, ça tient bien les jumbo. Alors, je vais commencer avec le Polaris, qui est un fard crème. Les autres sont pas crème. Mais ce truc est... Oh là là. Donc, je le remets par-dessus le jumbo noir et oh my god. Et j'en mets partout. Oh là 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 là. Oh, ça c'est joli. Hein. Oh. Oui, un orgasme. Je prie. Je prie. Alors, je vais prendre un pinceau plat et on va passer au... c'est lequel que je voulais mettre. Oh, ils sont tous tellement beaux. J'aurais pu faire des swatchs. Alors, attendez. Je vais vous faire des swatchs. Donc on fait le Polaris, du coup vous le voyez, donc on va faire les autres. Comme ça je choisis. Oh là, oh là, oh là là, oh. J'espère que vous verrez bien, mais... C'est la bombe atomique. Oh là, oh là là, oh là là, magique. Et les quatre suivants. Oh là, oh là 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 là. Je les avais pas sortis encore, hein. J'ai gardé vraiment. Oh là là. Et encore, ça ressort tellement moins bien à la caméra, quoi. C'est dommage. C'est un truc de fou. Oh là 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 là. J'ai bien envie de mettre celui-ci. Mais je sais plus c'est lequel. Ah non, il fait mauve. Non, bah on va plutôt partir sur celui-ci. Oh, mais c'est un truc de dingue. Ça y est, il joue. Alors, je vous cache pas que les Glam Shop Duochrome font à peu près la même chose et que ça revient probablement largement moins cher quand même, hein, puisque pour 6 fards Duochrome, ils sont à peu près à 10 euros. Et quoique, ça revient pas si moins cher que ça, parce que ils sont à 10 euros pièce, il y en a 9. Oui, 9, plus la palette. Donc l'un dans l'autre, on n'est pas si moins cher que ça. Du coup, je ne sais pas c'est lequel que j'ai swatché. Alors, attendez, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Ben, on va partir sur le Gaia. Donc, j'y vais au doigt, bien sûr. Et je rajoute celui-là sur ma paupière mobile. Du coup, je voulais vous faire un full make-up multichrome. Ben, je crois que là on est dans le thème. Donc, dites-moi quand même si ça peut vous intéresser en barre d'infos. Mais je crois que là on a déjà fait la moitié du job. Hein. Ah merde! Ah merde! Ça c'était pas prévu au programme. Mais ça c'est quand je travaille avec mes doigts. Que je fais la grosse cochonnette. Oh, ils sont chiants. Elle fait un bruit de cheetah, la petite, quand elle joue.
Alors, je vais prendre quand même le Solar Rain. Pour pas mettre au centre. Tant qu'à faire, on teste au maximum. Mais c'est beau! Ouh! Mais. Je blende un peu le tout. C'est magnifique comment j'agis, hein. Alors, je vais prendre le Strawberry Moon pour mettre en coin interne Isumu Sourcil. Un pinceau. Donc là, ouais, il est un peu plus rosé, mais comme son nom l'indique, hein, bien évidemment. Ça fait moins beau, donc je reprends le Solar Rain que je remets dessus. Oh, ça change la teinte. Là, je brille de mille feux. Ouf. On va me voir jusque chez Buzz l'éclair. Je vais peut-être en mettre un autre au ras de cils. Tant qu'à faire. Donc je reprends mon petit crayon, pinceau crayon, et je vais mettre le sol. Ici. Oh là là là. Écoutez, pour les fards, là on est bon, hein. Il y en a quand même pas mal que j'ai testé, hein. Du coup, on a testé les deux là. Le Gaïa, celui-là, celui-là. Donc il y en a trois que j'ai pas testé, je vois pas la prochaine fois. Voilà. J'ai un orgasme. Bah écoutez, vu que les chiens foutent le bordel, je vais faire mon trait de liner et tester le liner là, je vous dirai après. Et pareil pour le rouge à lèvres, je vous dirai après ce que j'en pense. Donc là, je viens vous montrer ce que ça donne et on débriefe de tout ça. Et donc voilà le look final avec les produits que j'ai pu tester déjà du swap. Je crois que vous avez compris. Alors, on va procéder dans l'ordre. Elle pleure parce qu'elle a faim. Je vais aller leur donner à manger. Ce petit truc là, alors en tant que base, il est pas trop mal, sauf que ben ça fait bouger ici ma ride du lion. Donc faudrait que j'essaye de poudrer un peu plus à cet endroit-là, ou éviter d'en mettre juste à cet endroit-là. Par contre, ça lisse super bien la peau et ça commence déjà à unifier le teint. C'est vraiment pas mal. Et ça me donne quand même très envie de tester avec une teinte colorée parce que ce produit est très 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 intriguant. Elle a bien réussi son coup. Elle, hein, donnez ça. Oui. Elle a très bien réussi son coup parce que ça donne envie de tester, tout simplement, même que ça coûte la peau du cul. Mais ça donne vraiment, vraiment envie de tester. Alors, la petite palette de teint là, By Terry, bah écoutez, j'aime beaucoup mon teint. Même le bronzer, ça va, ça choque pas trop. Il sera forcément un peu mieux adapté pour printemps-été, puisqu'il est un peu plus chaud. Mais je trouve que j'ai un très beau teint, que ce soit bronzer ou blush. J'aime beaucoup. Moi, j'ai mixé les deux teintes, ou alors les deux teintes là, pour faire mon blush. Après, c'est du lumineux, donc faut aimer. Et il faut aimer l'odeur de la rose, hein, parce que ça sent vraiment très fort. Hein. On l'ouvre, ça prend au nez. Hein. Le petit highlighter, j'aime beaucoup, effet de la skin avec des petits reflets un peu bleutés. Voilà, j'aime beaucoup. Des petites paillettes dedans, tout ce qu'il faut pour me plaire. La petite toupette, très sympa. Voilà, ça ne sera pas partie de mes préférées, mais très agréable à utiliser, très douce, très souple. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, on parlera de la palette après, hein. Alors, le liner, déjà, j'ai pas cette couleur-là, donc je suis hyper contente. Je trouve qu'il est un peu moins homogène. Après, j'ai oublié de le secouiller. Donc c'est certainement à cause de ça que le prisme par exemple, c'est le seul que j'ai de la marque, mais en deux couches, je voyais qu'il se voit très bien, donc rien à dire. Coup de cœur sur le rouge à lèvres. Alors déjà j'aime beaucoup la teinte, ça reste un nude assez basique, mais il colle pas du tout, il s'applique super bien, il est hyper opaque, il est hyper confortable, on ne le sent pas du tout.
Franchement, j'espère qu'il va tenir et à ce moment-là, je craquerai sur d'autres teintes, ça c'est sûr. Voilà, tout simplement. Gros coup de cœur sur le rouge à lèvres et big, 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 big coup de cœur là-dessus, bien évidemment. Elle pouvait pas se planter, hein. Donc, elle était dans ma wishlist jusqu'à ce que Danessa sorte la 4. Mais 160 balles pour une palette. Voilà, celle-ci est à 110 balles, hein, donc l'un dans l'autre. Il y a plus de teintes dans l'autre, mais ici vous avez vraiment la base. Voilà. C'est des multichromes. Vous avez un fard crème pour, comme, qui sert de base. Ou seul, hein, vous voyez que ici, j'ai rien remis par-dessus. Il est vraiment magnifique. Vous avez vu que même tout seul sur le jumbo noir pour un petit smoky à effet. Voilà, mais les teintes sont magnifiques. Maintenant, est-ce que ça vaut son prix? Pas du tout, hein. Voilà, il ne faut pas se voiler la face. Vous payez la marque, hein, parce que moi, je suis quasi sûr que j'ai les mêmes chez Clam Shop. Par exemple, celui-ci, il ressemble énormément au. On va regarder à ça. Voilà, donc là, j'ai ma palette de multichrome de chez Clam Shop. Vous allez voir que. Si vous voyez bien, alors par exemple, celui-ci, le Galaxy, je vous swatch avec le. Oh non! Putain, mais je fais que des conneries avec mes fards en ce moment. Je viens de le raboter avec mon. Faut que je rempote avec le Oh My God. Je prends ce qui est tombé à côté. Hein. Non, ça veut pas. Je fais que des conneries en ce moment avec mon fard. Et c'est exactement les mêmes. Mais alors quand je vous dis exactement. Bon, il est un peu plus. Celui de Danessa a un peu plus de reflets bleus, mais les reflets sont exactement les mêmes. Et maintenant, j'ai bien fait ma connerie. Ici, on a le Aurora. Et à côté, je vais vous swatcher en essayant de ne pas le flinguer. Le Pink Frog. Celui-ci, il est même limite plus beau chez. Donc ici, on a le Danes Amérique et ici, le Glam Shop. Il est même limite plus beau. Ouais, il a plus de reflets verts chez Glam Shop. Shop ici en dessous, Danessa Amérique. Voilà, c'est juste pour vous en montrer quelques-uns. Alors attendez, je vais essuyer ma main. Parce qu'il y en a encore d'autres. Hein. Par exemple, le Gaia chez Danessa Amérique et le. Ça doit être le Unicorn celui-ci. Ou je sais pas. Je ne sais pas dire. Ah non, Lagoon, je sais plus quoi. Blue Lagoon. Non? Oui, Blue Lagoon. Non, c'est pas exactement les mêmes. Mais ça se ressemble quand même pas mal. Hein. Blue Lagoon ici, Danes Amérique ici. Voilà. Et pour terminer, le. Cela. Comment est-ce qu'il s'appelle? Solar Rain ici. Il faut qu'on redescende la palette pour rempoter ce fard que je viens de destroy d'un coup. Alors attendez, je nettoie mes doigts. C'est le même pour moi que celui de. Bon, quoique non. Non, celui-ci il est plus bleuté, mais il est quand même très 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 ressemblant. Ou c'est le Martien alors qu'il ressemble? Non. Vous voyez, je pensais que les deux là, mais j'ai un fard de cette teinte là, ça j'en suis sûre. Mais je sais plus où, mais j'en suis sûre que j'ai le même, quelque part. Mais ouais, les reflets sont quand même, à mon avis, pas trop mal similaires. Ah non, non, c'est pas du tout les mêmes. Mais j'ai le même fard, ça j'en suis sûre, mais je sais plus où. Plus du tout, mais j'ai exactement le même quelque part. Peut-être dans une palette, hein, mais je sais que je l'ai. Enfin bref. Voilà, c'est Danessa Amérique, vous payez la marque, bien évidemment, comme beaucoup de marques maintenant, hein, faut rester logique.
Bon, je vais aller donner à manger aux chiens parce qu'ils vont me détruire la maison. Donc voilà, ma bichette, je te remercie encore une fois. Que des jolies choses. Il n'y a que ce truc-là que j'ai un doute à retester. Je l'utiliserai en base de toute façon. Ils disent que vous pouvez la mettre sur les yeux aussi pour lisser la base. Enfin, voilà, c'est visage et yeux. Donc voilà, tout simplement. Donc, je te remercie encore une fois du fond du cœur. C'est encore une fois un sans faute. Et j'ai hâte de passer au swatch and make-up de toutes les palettes que j'ai reçues. Hein. Il y en a un petit paquet. Donc voilà, normalement, si je reste motivée comme je le suis en ce moment, vous aurez une vidéo par jour. Parce que je vais intégrer tous les swatch and make-up parce que j'ai pas envie d'attendre de vous les mettre tous les samedis en bonus. Voilà, ça va être trop long pour moi. Donc vous aurez encore 2 semaines de vidéos non-stop. Si je suis motivée, hein. Je vous garantis rien, mais probablement que si. Voilà. Donc, oh, j'adore le rouge à lèvres. Très joli. Et on ne le sent absolument pas. J'ai l'impression de rien avoir sur les lèvres. Voilà. Donc, ben, écoutez, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain, de toute façon, puisqu'on continue toute la semaine. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.